Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur le s'abonner juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier informé dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Révélation, voici pourquoi Paul Biya est obligé de reconduire Nyan Jifanji et Kaveye Yeguié jusqu'en 2025. Nous mettons en lumière les révélations sur la reconduction de Marcel Nyan Jifanji et Kaveye Yeguié Djibril à la tête des deux chambres parlementaires du Cameroun. Ces reconductions soulèvent des questions sur les motivations du président Paul Biya et les enjeux politiques qui entourent cette décision. Restez avec nous pour découvrir les détails de cette situation et les implications pour l'avenir politique du Cameroun. Développement. Dans un pays où la politique conserve souvent ses habitudes et ses figures, la reconduction des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale marque un nouveau chapitre dans le paysage politique camerounais. Marcel Nyan Jifanji et Kaveye Yeguié Djibril ont été réélus dans un contexte de forte présence du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Lors d'une réunion du RDPC, le secrétaire général du parti, Jean Cuet, a annoncé que les candidats désignés par le président Paul Biya étaient ceux retenus pour ces postes. Cette annonce soulève des interrogations sur le rôle du président dans ces reconductions et sur les motivations qui sous-tendent ces choix. Kaveye Yeguié Djibril, député du Mayo Sava, a été réélu à la tête de l'Assemblée nationale pour la 32e année consécutive, avec une majorité écrasante de voix. Malgré son âge avancé et ses soucis de santé, sa réélection témoigne de sa position solide au sein du parti et de sa longévité politique remarquable. Au Sénat, Marcel Nyan Jifanji a également été reconduit, malgré les spéculations sur son état de santé. Son retour discret au Cameroun après une période d'hospitalisation n'a pas empêché sa réélection avec un score écrasant de voix. Cette décision soulève des questions sur la capacité du président Biya à renouveler le leadership politique du pays. Conclusion. En conclusion, la reconduction de Marcel Nyan Jifanji et Kaveye Yeguié Djibril témoigne du choix de la continuité opérée par le président Paul Biya, à un an des élections générales prévues en 2025. Dans un contexte politique où les changements sont rares, cette décision s'inscrit dans la lignée des pratiques observées depuis plusieurs années, marquant ainsi une certaine stabilité institutionnelle malgré les défis que le pays peut rencontrer. Restez avec nous pour suivre l'évolution de cette situation et ses implications pour l'avenir politique du Cameroun. Les dessous de la secrétaire de l'ambassade du Cameroun en Russie dévoilée au monde entier. Nous mettons aujourd'hui en lumière une affaire qui secoue l'ambassade du Cameroun en Russie. Les dessous de la secrétaire de l'ambassade sont dévoilés au grand jour, suscitant l'indignation et la colère parmi le personnel diplomatique. Restez avec nous pour découvrir les détails de cette affaire qui fait scandale et soulève des questions sur la gestion de l'ambassade et le traitement de ses employés. Développement. Les révélations choquantes émanent du journaliste Boris Berthold, qui a exposé sur sa page Facebook les pratiques controversées de Madame Effa, premier secrétaire de l'ambassade du Cameroun en Russie. Accusée de népotisme et de maltraitance envers le personnel, Madame Effa est décrite comme la personnalité la plus influente de l'ambassade, exerçant un pouvoir considérable sur les décisions et les affectations du personnel. Des cas de renvoi injustifiés de chauffeurs et d'interprètes, ainsi que des refus de délivrance de passeports de service à certains employés, ont été rapportés, suscitant l'indignation parmi le personnel. De plus, des allégations d'injustice et de discrimination salariale ont été soulevées, avec des écarts de traitement entre les employés camerounais et russes, ainsi qu'entre ceux choisis par Madame Effa et les autres. Il est également dénoncé que les Russes recrutés par l'ambassade bénéficient de privilèges injustifiés, tels que des pauses plus longues et une tolérance accrue pour les retards, tandis que les employés camerounais subissent des sanctions sévères pour des infractions mineures. Cette disparité salariale et de traitement crée un climat de tension et de frustration au sein de l'ambassade, mettant en péril le bien-être et la cohésion de l'équipe diplomatique. Conclusion. En conclusion, les révélations sur les pratiques de la secrétaire de l'ambassade du Cameroun en Russie exposent des dysfonctionnements majeurs dans la gestion et le fonctionnement de l'ambassade.
il est impératif que les autorités compétentes prennent des mesures pour enquêter sur ces allégations et garantir des conditions de travail équitables et respectueuses pour tout le personnel diplomatique. Restez avec nous pour suivre l'évolution de cette affaire et ses éventuelles répercussions sur les relations diplomatiques entre le Cameroun et la Russie.